4500 jeunes rassemblés, amitié, défi, échange extraordinaire, des activités à haut défi pour vous autres. Et encore, qu'est-ce qu'on peut imaginer? De la plongée, de l'apnée, de l'escalade. Imaginez, on l'a sur place. Avec qui? Avec vous autres, les jeunes et les adultes. 300 bénévoles ont préparé cette activité. On la vit, maintenant on relève nos manches, rien va nous arrêter. Le jam, c'est vraiment le fun parce que on est là juste pour vivre en communauté puis être ensemble. Je trouve ça vraiment le fun, le scoutisme. Ça fait déjà 4 ans que je suis dans les scouts, puis c'est vraiment le fun. On apprend plein de choses, c'est instructif. C'est le fun, depuis que je suis arrivée au camp, on s'éclate comme des fous. Moi, ça fait juste 2 ans que j'anime, parce qu'à un moment donné, ils m'ont demandé de transporter du stock avec mon camion, puis depuis ce temps-là, je me suis engagé. Donc, nous autres, on prépare le jam depuis janvier avec une réunion mensuelle. Donc, on a recruté des bénévoles, soit des parents, des enfants qui participent au jam. Et puis, on se retrouve aujourd'hui avec une équipe de 10 sur le terrain à préparer la bouffe pour 88 enfants. Et puis, qu'est-ce qui m'encourage aussi à aider les jeunes, c'est que c'est des belles choses, des belles valeurs à apprendre à des jeunes. Les activités sont intéressantes, sont bien définies, sont bien choisies. C'est ça, on est arrivé samedi ici au Jamboree Azimut 2002 après une longue route. Ça a été très plaisant, j'ai trouvé que l'organisation était super. Soyons prêts, fixons nos azimuts et partons. Vive la fraternité, vive l'amitié et surtout vive la paix.